les successeurs de Disney. Et qui vous êtes? Bonjour. Et bien moi c'est Yuki. Donc ah, voilà, oui, vous la connaissez peut-être, sûrement, si vous suivez la chaîne. C'est une de nos abonnées les plus fidèles. Voilà. Donc, qui est la première à rentrer Voilà, donc elle passait dans le coin et on lui a dit bah si tu es d'accord, si tes parents veulent, s'il n'y a pas de souci. Et du coup, elle est là. Alors, qu'est-ce que ça te fait? On s'en va. Eh bien, je suis très contente, voilà. J'ai encore un peu de mal à réaliser. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux dire à tes amis qui te regardent? Parce que t'as des amis abonnés aussi. Oui. Et justement, on en a déjà parlé avec Princesse, mais c'est quelque chose qui est génial avec la chaîne, c'est qu'on a créé des amitiés en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux en parler de ça? Bah oui, c'est sûr qu'en fait, quand je suis arrivée sur la chaîne, je pensais pas que je trouverais des amis, et pourtant j'ai rencontré mes meilleurs amis là-bas, comme Marine, Violette, Enola et plein d'autres. Il y en a trop, je peux pas tous vous citer. Et ouais, c'est vraiment, comme on a dit, nous on pensait pas que la chaîne aurait fonctionné autant, et que surtout voilà, ça aurait permis à des gens de se rencontrer. Ouais. Donc c'est super, enfin, nous on est super contents pour vous. Et justement, qu'est-ce que tu préfères toi sur la chaîne? Ce qui fait que tu l'aimes autant? Parce que nous c'est vrai que c'est notre chaîne, donc c'est normal qu'on l'aime bien. Mais c'est vrai qu'on on comprend pas non plus, il y a ce mouvement où... Ah. C'est vrai, qu'est-ce qui fait que tu aimes toi, tu nous l'as dit, mais bon, c'est pour un petit témoignage. Et ben moi, ce que j'aime beaucoup sur cette chaîne, c'est... Motive-nous que ce que j'aime sur cette chaîne, déjà, c'est que je vois que je suis pas la seule à aimer Disney encore à mon âge, donc déjà, je me sens moins seule. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages comme ça, disant que c'est cool de voir des gens de votre âge... qui aiment Disney. Ouais. Mmh. Alors toi, t'es jeune, tu peux encore... Ça m'a créé des liens, effectivement, et puis voilà, c'est une chaîne très conviviale et... C'est bien ça comme mot. Allez. Non mais c'est vrai. C'est vrai, convivial. Vous êtes le bienvenu chez nous. Où vous habitez, Jomi? Non, il faut savoir aussi que Yuki, on la connaît vraiment. On l'avait déjà rencontré plusieurs fois auparavant. Donc bon. Voilà, c'est une exception. Beaucoup hésité, je me suis dit, allez, est-ce que je l'invite à venir? Parce que c'est vrai que ça fait elle rentre un peu dans la vie privée, mais en même temps, c'est pas comme si elle était dans ma chambre. Bon. Voilà. Tu veux, donc la chambre est juste là. Et donc voilà, on s'est dit avec Princesse, voilà, on voulait te demander quel était ton Disney préféré et pourquoi, tant qu'à faire. Ben, je dirais mon Disney préféré, c'est le Roi Lion. Non. Viens dans mon équipe. Non, je dis ça simplement parce que c'est un Disney qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite et voilà, il y a beaucoup d'éléments qui me touchent et puis voilà. C'est vrai qu'ils ont essayé de jouer avec le même. D'ailleurs, pour dire, le monde d'Arlo, je trouve qu'ils ont beaucoup repris les mêmes codes que le Roi Lion. Ouais, mais ça n'a pas fonctionné pareil. Ça marche pas pareil. Il est bien, mais... Nutella ou confiture? Personnellement, ce serait confiture. Confiture. De quoi? Fraise ou framboise? Fraise. Fraise, ah, moi, petite framboise. Petite dédicace à Enola. Framboise, fraise. Ben voilà, bah, par exemple, tu peux dire aussi qu'est-ce que tu n'avais pas vu ou que tu n'avais pas fait très attention que ça en voyant les vidéos et que tu vois maintenant que tu es ici. C'est une bonne question ça. Moi je sais que j'avais un ami, j'avais jamais été chez lui, j'avais connu sur internet, j'ai été chez lui. Et ah si, hein, je peux vivre un peu ça parce que du coup tu te redécouvres, tu dis ah j'imaginais la pièce plus grande, j'imaginais pas ça comme ça, tu vois. Ben, il y a des figurines que j'avais pas vues par exemple. Ouais, de toute façon, tu vois pas tout. Ouais, c'est vrai, mais les cadres. Mais c'est vrai qu'il y en a même qui sont ici, c'est vrai qu'on n'y fait pas forcément attention. Voilà, il y a des petites choses comme ça auxquelles j'avais pas fait attention, les objets qui sont derrière. Ouais, parce qu'en général, les gens ils nous regardent nous, donc c'est vrai que. C'est assez logique. C'est ce qu'on disait à Yuki. C'est ce qu'on disait. Je vois pas ce qu'il y a derrière tout. C'est ce qu'on disait à Yuki aussi, il y a plein d'endroits qui sont assez jolis, comme ici, il y a les tableaux maléfiques, enfin, ceux qui nous suivent sur Snapchat et tout, on vous a peut-être montré. Oui, vous l'avez déjà vu, je pense. Mais c'est vrai qu'on va essayer justement de changer un peu de cadre en fonction des vidéos qu'on va faire, donc c'est vrai que... Elle a vu ma cape qui est accrochée à bas, dit « Oh la cape !» En effet. Voilà, est-ce que t'as quelque chose à dire pour terminer cette petit bonus? Ah, je suis loin, je suis cachée. Cet petit bonus. Ben, merci beaucoup déjà, vous deux. On t'en prie, enfin. Et puis voilà, ben... Franchement, c'est super. Et bien, merci d'avoir regardé ce petit bonus. Voilà. Et on se retrouve très bientôt, et toi dans les commentaires. Oui, ouais. Pas de soucis. Promis, pouce bleu. Allez, bisous. Salut.